Le 24 août 2021, Laure et Mathieu ont enfin accueilli leur premier enfant ensemble, après de longs derniers jours de grossesse. C'est une petite Lia qui a agrandi la famille pour leur plus grand bonheur, laquelle n'a pas tardé à être officiellement présentée sur les réseaux sociaux. Et pourtant, les heureux candidats de mariés au premier regard se montrent beaucoup moins actifs sur la toile depuis la naissance de leur fille. Laure a toutefois trouvé le temps de donner de ses nouvelles ce vendredi 27 août 2021. Lors d'une session de questions-réponses en story Instagram, la jolie blonde a notamment fait le bilan de son année au cours de laquelle elle a épousé Mathieu, emménagé avec lui et a eu un enfant avec lui. De gros bouleversements en très peu de temps qui ont de quoi faire tourner la tête de Laure. Énormément de changements, je ne réalise pas toujours, je vis au jour le jour mais si est-il vrai que si est-il complètement dingue. Parfois, j'ai des montées de stress mais comme tout se déroule tellement naturellement et sans pression je le vis bien. On est vraiment sur la même longueur d'onde avec Mathieu, ce qui fait que tout roule, a-t-elle expliqué. Avec Mathieu, leur complicité semble s'être solidifiée un peu plus avec l'arrivée de l'adorable Lia. À la question de savoir ce qu'elle ressent lorsqu'elle voit son mari avec leur fille, Laure répond amoureusement, ça le rend encore plus beau. Il est parfait, je n'ai rien à ajouter, écrit-elle sous une photo de lui et Lia. Rappelons que Laure et Mathieu ont été réunis dans Mariés au premier regard grâce à leur compatibilité à 79%. Si au départ, Mathieu ne semblait pas vraiment vouloir épouser la candidate, la magie a fini par opérer. Et seulement 2 mois après leur union en septembre 2020, ils ont découvert la grossesse de Laure.